Yeah. Majaki est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, comme je te disais tantôt, je vends les tomates. Tu connais que je vends les tomates au marché, non? Oui. Franchement, je pouvais pas. Il y avait un très gros client qui est arrivé. Donc, il a garé une grosse fortune comme ça devant moi. Moi, je pouvais pas laisser. Tout ça, c'est vrai, c'est mon premier. Je viens d'arriver à Canal 2. Donc, c'est ma part de première émission comme ça. Là. Mais il fallait que je tacle quand même les tomates au marché. Majaki. Tu n'es pas encore entré parce que Super Obama a une question. Bonsoir, tout le monde dans la salle. Eh ouais. Hein? C'est bon. Faut répondre. Bonsoir. Non, non. Hey. Bonsoir, tout le monde dans la salle. Tu vas sortir, hein? Hein? C'est bon. Non, ça va et toi? Non. Non. Hein? Ah. Ah. Désolé. Désolé. Aïe, 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 aïe. Je ne peux plus rater. Il faut comment ou quoi? Je ne peux plus rater. Oh, c'est pas possible. Bonsoir, tout le monde dans la salle. C'est bon. On est là. La première question, une double question. Je pose la question à Vidal, je pose la question à Majaki. La question à Majaki, c'est Majaki que vous avez invité. Voilà. Aha. Comment est-ce que l'humour a pris autant d'espace dans ta vie? Je vais dire ça comment. J'étais, c'est depuis mon lycée, oui, je vais dire le lycée. Donc, j'ai l'habitude de faire rire. La première personne que je commence à faire rire, c'est ma maman. Ouais. Donc, quand je parle un peu, ma mère est toujours en train de rire. Je passe tout le temps avec elle. Et deuxièmement, c'est mon papa. Donc, je profite aussi pour vous dire que oui, j'ai le soutien de mes deux parents dans la comédie. Wow. C'est une très bonne bénédiction. C'est génial. Ça, alors, comment il s'appelle? Mon père. Et ta mère? Mon père, il s'appelle Choupo Hubert et ma mère, elle s'appelle Massage Agathe. Salut, salut, papa Hubert. Et maman, papa Choupo. Voilà. Si on mettait motif, je sais que tu étais gâté. Non, je m'appelle Vidal, donc Arturo Vidal. Voilà. Bon, c'est entre vous. Naturellement, la question du déclic, non? C'est-à-dire que tu fais rire tout le monde, c'est une chose, mais porter ça pour mettre sur Internet, c'est bon. Porter pour mettre sur Internet, j'étais avec mon petit frère, il s'appelle Lowell, et c'est lui qui a décidé de filmer une fois ce que j'étais en train de faire. Et tu faisais quoi? J'avais porté le cabas. C'est là justement la vidéo que vous avez montrée quand je parlais des téléphones et tout. Ah, voilà, avec le parapluie. Voilà. C'est ta toute première. C'est la première vidéo en Majaki. En Majaki. Voilà. Oui. Avant ça, tu faisais d'autres vidéos. Oui, d'autres vidéos, mais c'était plus la musique parce que je chante aussi. Ah oui, on a vu que tu chantes, oui, c'est vrai. Il est aussi chanteur. Alors, est-ce que tu t'attendais à autant de succès après que ton frère ait posté ta première vidéo en Majaki? Même pas. Donc, je veux d'abord dire, je m'attendais aux critiques. Bon, je voulais tester. Oui. Je m'attendais à beaucoup de critiques, mais à ma grande surprise. Non, quand c'est de l'humour, ça va. Oui, tout le monde était vraiment. Les gens sont plus. Et jusqu'aujourd'hui, j'attends, je veux voir les messages négatifs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, j'ai l'impression que bon, j'ai fait un peu quelque chose de bien. Oui. Et c'est pour ça que je profite en fait pour divertir les gens. Oh, c'est bien ça. Et donc, justement, mais enfin, il y a tellement de monde en ce moment qui font de l'humour, ils sont tous très bons. Hein, mais d'après toi, qu'est-ce que toi tu proposes qui intéresse vraiment les gens qui font, qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que ça plaît aux gens ce que tu fais? Voilà. Oui. Selon toi. Selon toi. Pour moi, c'est le fait en fait de, c'est le fait de d'un garçon comme moi de porter la robe d'une femme, incarner le rôle d'une femme et le faire à la perfection. Je ne vais pas dire que peut-être je fais ça à la perfection, mais à partir des commentaires, je pense que tout le monde aime ce que je fais. Donc, je prends tout mon temps, je prends mes mimiques et tout, j'essaye de faire les trucs. Oui, les mimiques là, c'est ça. Moi, j'allais poser la question. Justement. Tous ces mimiques. J'ai juste essayé une fois. Et c'est parti. Tu as essayé au miroir? Pas au miroir, au téléphone une fois. Oui, avec le téléphone. Voilà, oui, et c'est parti. Moi, j'ai adoré quand tu as joué comme dans le manga quand il t'est dit. Es-tu en classe de terminale? Oui. Waouh. Mmh. Et voilà. Ça fait combien de temps que Majaki existe? Ça fait deux mois à trois mois. Que Majaki existe. Wow. C'est Vidal qui existait, mais depuis deux depuis mois. Depuis deux mois, le jour des résultats, on va pleurer ou on va rire? Est-ce que tu travailles bien à l'école? Oui, je me bats à l'école. Par exemple, quel terminal? Non, je suis anglophone. Oui, oui, mais on va dire, c'est quoi la classe de terminale? Arts, oui, fais arts. Oui, là. Ah bon, oui, c'est pas très moins de ce que tu fais déjà. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est, là, oui, c'est bien, mais ça veut pas dire que c'est moins difficile. C'est moins difficile. Comment tu fais alors pour allier tout ça, les deux? Bon, j'ai un planning. Par exemple, pour mes jours de tournage, je peux prendre un samedi parce que normalement, je tourne les jeudis et les samedis. Les samedis, oui. Voilà, les jeudis après les cours parce que généralement, je finis les cours jeudi très tôt. Donc, les samedis, je peux commencer peut-être de 9h
à 15h30 ou bien de 9h à 16h, 12, je peux peut-être faire 12 vidéos. Et il y a ma sœur qui s'appelle Fabiola Toa. Oui. C'est elle qui filme. Non, elle publie en semaine. Ah. La personne qui filme, c'est un ami à moi. Et puis je rentre, je monte mes vidéos. Ah, tu montes toi-même? Oui, je monte. Tu montes ça où? Sur mon téléphone. Il fait tout avec son téléphone en fait. Ouais, je filme avec mon téléphone, je monte avec mon téléphone. Et après, tu envoies Fabiola, voilà. Et puis voilà, elle fait le reste. Elle fait le reste. Mais comment tu as accueilli aujourd'hui à l'école alors avec ton succès? Ah bon, à l'école, déjà, ils ne s'attendaient pas à ça. C'est juste, on va dire, à la kermesse, on m'a invité, presté. J'ai presté et c'est à partir de la kermesse en fait qu'on m'a découvert en tant que web. Comédien. Oui. C'est-à-dire, on te voyait, mais on ne savait pas que tu le fais déjà, que tu es image à qui en fait. Oui, déjà, naturellement, c'est très difficile pour certaines personnes de me reconnaître. Quand tu es en tenue, voilà. Ouais. Donc, du coup, le principal, il a décidé alors de faire une photo de moi. Parce que quand tu entres dans mon collège, il y a une photo de moi carrément. Oh, la star! C'est bien! Depuis ce jour-là, même les petits Congossais qui ne voulaient pas te parler maintenant. Oui. Et ils viennent tous. Ah. Non, alors, ils sont là. Maintenant, tout le monde veut parler avec moi. On va parler avec toi. Non, oh là là! J'ai pas le temps. Je dois étudier. Oh! Alors, tu nous as aussi dit que tu as passé 2 ans à la maison à cause des problèmes de santé. Oui. J'ai subi une opération. Oui. Oui. Une opération qui m'a fait perdre 2 années. Bon, je partais à l'école, mais c'était pas normal. Donc, j'essayais d'étudier, mais il y a beaucoup d'échecs. Oui, donc c'est maman qui était près de moi et tout. S'occupait de toi. C'est après que je suis vraiment revenue. C'est pour ça que j'ai un retard. De 2 ans, oui. J'ai l'impression il tient à ce qu'on le sache parce que quand il donne son âge. Oui. Pourtant, il y a des gens qui ont plus de 20 ans qui sont en terminale. Non, moi je veux le dire. Il y a ça et il y a aussi un autre truc. Oui. Je m'inspire d'un comédien nigérien. Je ne veux pas dire que je suis très créatif parce qu'il y a des personnes qui cachent ça. Oui, mais parce que là, justement, la suite de la question, c'était l'idée de comment le personnage que tu joues c'est parti d'où l'idée de ce personnage Majaki? Oui, je suis très fan des vidéos Naija, je vais dire, parce qu'ils sont très forts dans les vines et tout. Mm-hmm. Donc du coup j'ai décidé de suivre celui qu'on appelle Zik Saloma, c'est un web comédien nigérien, voilà. Donc je regardais ses vidéos et quand j'essayais de faire, ça allait avec le Majaki que je voulais faire, parce que Majaki c'est une femme, quand je vivais à l'Ouest Cameroun, c'était une femme qui était dans mon quartier, cherchait toujours les problèmes. Donc quand je regardais ça, j'ai donc décidé d'adapter. Et je suis bien contente de voir ça. Si Majaki vient encore, elle va dire elle voit, on se parle, tu lui parles depuis. Oui. Et quand elle se reconnaît, elle regarde. Est-ce que tu n'as pas eu peur de cet impact là d'interpréter les rôles de femmes et tout? Donc, ça après ça peut avoir un impact sur toi-même quand tu deviens toi-même homme, quoi. Voilà. Avec le style garçon. Elle regarde. En fait, tu passes quand même toute une journée à faire des mimiques de femmes. Il veut savoir si des fois, quand tu es déjà Vidal, cette fois-là, ça t'arrive pas de devenir Majaki alors que tu es Vidal? Ça m'arrive de devenir Majaki quand une personne peut-être se prononce à côté de moi avec un téléphone et qui veut que j'interprète Majaki. Oui, oui. Là, je suis Majaki. Mais quand je suis Vidal, je suis Vidal. Voilà. Oh, wow. C'est bien de faire la part des choses. C'est justement pour ça qu'on ne me remarque pas facilement quand je suis Vidal. Ta première vidéo célèbre sur le web, ça a été laquelle? Raconte-nous un peu l'histoire. Là où tu as vu énormément de vues, tu as dit waouh. Bon, la vidéo la plus célèbre, honnêtement, c'est celle que j'ai faite avec Nel Cruz. Oui. Voilà. Ouais. J'ai fait une vidéo avec Nel Cruz, d'où Majaki rendait visite à Nel Cruz. À Nel Cruz, oui. Oui. Et Nel Cruz était justement en train de vouloir manger. C'est là qu'il entend la fameuse musique de Majaki. Le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est merveilleux. Donc, c'est là qu'il essaie maintenant de cacher le repas. Il s'agissait du coquille. Du coquille, d'accord. J'adore. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir que les gens sont autant accrochés pour la première fois? Parce que c'est ta première vidéo célèbre. Oui. Ça t'a fait quoi? C'était quoi ton ressenti? Bon, ça m'a un peu rendu bizarre. Parce que déjà, comme j'ai dit, je ne m'attendais pas à ça. Oui. À ce que je porte l'habit d'une femme et que j'interprète, j'incarne le rôle d'une femme. Et les gens, ils sont vraiment contents comme ça. Donc, c'est pour ça que
sur la page de Neil Cruz, on me réclamait beaucoup. Et du coup, je vais dire, j'ai un peu volé la vedette à Neil Cruz. Je ne suis pas toujours content jusqu'aujourd'hui. Oui, c'était un peu très bizarre. Oui. Et il m'a conseillé, essaye de créer une page et on va voir. Donc, j'ai créé la page et en moins de 2 mois, j'ai eu 60 000 abonnés. Waouh, ça fait 2 mois que Magic existe. Hein. Je tiens à préciser. C'est énorme. Wow, c'est vraiment énorme. C'est énorme, ça. Alors, quel est ton rêve aujourd'hui? Mon rêve, bon, à la base, je voulais faire dans la médecine. Oui, c'était ça à la base. Mais là, même tes études, c'est pas ça, c'est art. Oui, c'est art. Donc, j'ai bien dit à la base. À la base. Voilà. Ensuite. Donc, après maintenant que j'ai vu que je chante, oui, je fais du théâtre. Uh-huh. Et tout ce que je fais se concentre dans l'art. C'est pour ça que j'ai décidé de faire maintenant l'art à l'école. À l'école, oui. Et maintenant, j'ai décidé, puisque j'ai aussi un petit talent de monter les vidéos et tout, c'est comment cadrer, ouais, j'ai donc décidé qu'après mon bac, je vais plutôt me professionnaliser dans la réalisation des vidéos. Wow. C'est une bonne chose. C'est sur la bonne voie. Oui. Oh là là, super, c'est bien de trouver sa voie comme ça quand on est en classe. C'est un domaine où on ne manque pas. On a fait la dernière classe du secondaire. Quand on est accompagné de ses deux parents. Oui, oui, c'est une grosse bénédiction en fait. Oh là là. Papa, il les regarde, maman, papa il les regarde. Papa Hubert, vraiment, merci. Papa Hubert. Merci, papa Hubert. Papa Choupo. Et merci à maman, hein, Agathe. Oui, maman Agathe. Pas qu'on oublie, maman Agathe. Voilà. Alors, on a quelques questions de quelques internautes, oui, et même des réactions surtout. Yann Fa, le béni divin. Majaki, que veut dire Igwesu? Igwesu, c'est une langue en Igbo, Igbo language. Okay. Donc mon frère, il a vécu un peu au Nigeria, donc il a un peu adopté leur style et tout. Igbo veut dire sorcière, parce que je dis tout sale sorcière. Voilà. D'accord. Donc Igbo veut dire vampire, sorcière, un truc négatif. Négatif. Mais moi, oui, je me concentre sur le côté sorcier parce que j'ai l'habitude de dire ça. De dire ça, d'accord. Il y a Sandy Colby, c'est comment, Majaki? On est là. J'aimerais savoir d'où vient ton inspiration. En tout cas, du courage et bonne continuation pour la bonne humeur que tu nous donnes. De rien. D'où vient ton inspiration? Mon inspiration, comme j'ai dit, c'est une femme où je vivais. Oui, oui, mais elle avait toujours ce côté négatif. Oui. Mais en gros, mon inspiration vient de Zik Saloma, oui, le Nigérien. Mais moi, j'aimerais savoir les histoires maintenant, parce qu'il faut les créer, les histoires. Oui, les histoires, je m'inspire en fait de la vie réelle. Mm-hmm. Ce qui se passe vraiment dans la vie réelle. Si vous voyez, je fais des vidéos au marché. Ouais. Et ce que je fais au marché, c'est ce qui se passe dehors. Ouais. Par exemple, une femme, elle vend, une personne, l'enfant vient acheter un truc, elle vend, elle donne à l'enfant, il rentre à la maison. Sa mère maintenant se rend compte que c'était pas la même chose qu'elle voulait. Elle dit que je ne vends, je ne remets plus. Ou alors les histoires que mon enfant, parce que tu viens toujours des histoires de mon enfant. Voilà. Chaque maman qui vante son enfant et tout ça là. Voilà. L'esprit de la vie réelle. D'accord. Je vais te donner un beau scénario. Mm-hmm. Voilà. Un homme qui arrache, tu as voulu acheter le pain, beurre. Oui. Il ouvre le pain, il enlève tout l'intérieur. Mm-hmm. Et il arrive à la maison, il dit que, mais ils n'ont pas chargé. Ils n'ont pas chargé. Va remettre. Tu dis que charge. Bon, l'enfant va caler en route. Il faut dire que c'est du pain chocolat, papa. Oui, justement, le pain chocolat. Chocolat. C'est mieux en chocolat. C'est mieux en chocolat, ça. L'enfant cale en route. Et tu pars maintenant en bourse. Il vous a demandé de charger. Tu attrapes l'enfant en route comme ça. Et puis, et maintenant, voilà. C'est vous dites que j'ai chargé depuis. Depuis. Vous voulez que je filme le téléphone, que je filme sur le téléphone pour vous montrer comment j'ai chargé. L'enfant met la main là. OK. Il y a Pascal Dia, c'est Majaki. Pourquoi tu es fort comme ça? Tu as pris ton inspiration chez quel comédien? Il l'a déjà dit. Oui, je l'ai déjà dit. Et puis il y a Clara Zebita. Non, elle dit souvent à quel, s'il vous plaît, je n'ai pas envie de rater. Mmh. Donc, voilà. Bon, ne rate pas, tu es là. J'espère que tu es là. Françoise Ambomo, Majaki, j'espère que tu viendras avec la voiture de ta copine. Et... Non, je ne suis pas venu avec la voiture. J'ai bien dit non. J'étais en train de vendre les tomates. Les tomates. Donc, du coup, j'ai pris moto vite fait. Tu m'as déposé ici le vent et franchement. Oh. Attends, une voiture qui a l'eau dedans, la sueur dedans. Je dis que vous étiez congé. Alors, Edwin Laure Diogué Sona, un énorme bravo à ce jeune talent. Yeah. Bon vent pour la suite, vraiment très original. Merci. Il y a Ghislaine Mapuemsa, Majaki, tout sera là avec Mamado alias Gwesu. Non, parce que tous ces aiment quand tu te balades avec elle, les ifles
Sous ne blague pas avec, mais n'appelle personne insecticide sur le plateau de ce soir. Non, ne peux pas appeler. Est-ce que ce sont mes égos? S'il te plaît, est-ce que c'est un peu ma vie? Hein? Je suis quand même un peu respecté. Tu ne peux pas voir que je rentre, je sors du village, j'ai les trucs villageois partout. Hein? Je ne peux pas appeler quelqu'un ici insecticide, mais si on m'attaque, ils connaissent, non? Alors, il y a Henri, le milliardaire chinois, qui dit, c'est comment, Majaki? L'émission attendait quoi depuis pour t'inviter? Tu es juste waouh! Ma connexion finit dans vos vidéos, courage. Merci beaucoup. Ça fait juste 2 mois qu'il est comme Majaki. Bien sûr, c'est ce qui m'étonne en fait. Ils ont l'impression qu'il est là depuis. Alors, bonsoir, ma question c'est comment faire pour travailler avec Majaki? Moi, c'est Bébé Léo, artiste comédien. Bébé Léo, artiste comédien. Oui, j'invite Bébé Léo. Comment on fait pour travailler Bébé avec Bébé Léo, va sur sa page. Bébé Léo, je t'invite à m'écrire sur ma page ou bien tu écris au numéro WhatsApp qui est... Qui est sur ma page? Qui est sur sa page? Il y a un numéro, c'est voilà. C'est très simple. C'est très simple. Il y a Daniel Achidiou, Majaki, Masta, Iki. Je te kiffe vraiment. T'es trop rigolo, je t'assure. Il suffit juste de regarder tes vidéos pour retrouver le sourire avec tes yeux là, Massa. J'aimerais juste savoir ce qui t'a inspiré à faire cela. Les yeux là. Oui, tu as des mimiques quand même. Hein? Oui, les yeux, ils sont rigolos. La bouche et tout ça. Ouais. Oui. ça te prend du temps d'apprendre tout ça ou ça vient tout seul? Non, généralement, quand on veut commencer un tournage, j'aime ce qu'on appelle le one shot. One shot, c'est-à-dire quand tu lances la caméra, là, on arrête quand c'est terminé. Ah. Donc quand on lance, l'inspiration vient une fois. Ouais. Je parle et puis on arrête. Ah. Wow. En tout cas, il y a tellement de messages, Majaki. Oui. Il y a Chacal Tsagé. C'est comment? On est là, Chacal. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous vous mettez toujours dans la peau d'une femme pour vos scènes de tournage. Bon, vous... C'est le personnage, hein. Vous, je ne sais pas, vous... Qui dit vous parce que vous êtes deux. Ah, Majaki et... Il y a Mamadou et... aussi. Mabéa. Mabéa. Mabéa et Majaki, on a en fait essayé... Parce que déjà, nous, à la base, on aime beaucoup les mamans. Ah ouais, oui, ça commence là. Par exemple, comme moi, j'aime beaucoup les mamans. Donc du coup, j'ai essayé... Est-ce que tu es mariée avec une maman? Comment ça? S'il te plaît. S'il te plaît, c'est pas parce que mon mari et moi, ça fait 2 ans que... Non, je ne peux pas me marier avec une maman. Donc, oui, oui. Ensuite, tu disais, voilà, oui. Parce que c'est quelqu'un qui t'a un peu... Oui, il m'a un peu perdu. Voilà. Donc, il demandait pourquoi c'est seulement les rôles de femmes, en fait, c'est ce qu'il veut demander. Bon, en fait, moi, je n'avais... C'est pour le moment, peut-être. Oui, je n'avais rien derrière la tête quand je voulais faire c'est ça. Venu... C'est juste venu comme ça. J'ai essayé de poster une vidéo. Mmh. Et vous avez liké? Non, je ne sais pas. Et puis à féliciter Leclerc, c'est comment? Cette version de notre émission est inédite. L'audience sera plus grande aujourd'hui à cause de Majaki. J'ai trouvé enfin la personne qui me retient au pays. Dis donc, alors, ouais. Alors, il y a Diane Nola, c'est comment? On est là. Son retard a plutôt embelli l'émission, hein? Vraiment, je peux mourir de rire. Vraiment, Majaki, du courage, tu es talentueux. D'où t'est venue cette inspiration? Il a déjà dit. Majaki, on dit que tu as fréquenté le lycée Lokpom. Oui. C'est vrai? Oui, j'ai fréquenté le lycée de Lokpom. Et tu t'inspires de quoi dans tes sketchs? Tu l'as déjà dit. J'aime beaucoup ce que tu fais, du courage, Majaki, et aussi à ton fils Claudio. Mon fils Claudio. Oui. Comment tu as trouvé ta troupe là? Comment tu as trouvé tes acteurs? Mes acteurs, déjà, c'était un duo à la base. Je suis avec ma grande sœur Fabiola Toa. Ouais. Et puis maintenant, une fois j'ai invité Nel de venir tourner avec moi, Nel est arrivée avec Claudio et d'autres filles. Oui. Et j'ai vu que parmi les autres filles, parmi les acteurs de Nel, c'était Claudio en fait qui était encore plus talentueux. Oui. Et il respectait en fait le rôle que je voulais, c'est-à-dire mon fils dans mon prochain concert, parce que je n'avais pas encore commencé le truc. Oui. Donc c'est quand j'ai vu Claudio, on a causé tout, on s'est arrangé et c'est là qu'il est devenu mon fils dans mes vidéos. C'est cool. Il y a Blackif 4, Majaki, je t'assure, tu n'es pas seul dans ta tête. Après, là, il y a une tête qui... Ah oui. Je passe mon temps à dire Iguessou aux gens. Et qui possède les gens? Qui possède les gens? Majaki, c'est comme ça que tu fais dans la vraie vie. C'est comme... Daphné Nouboudem. Je ne sais pas comment elle... Dans la vraie vie, comment? Le comportement de Majaki. Oui, le comportement de Majaki. Non, je te dis que... Oh, je te dis que je ne connais... Ce n'est pas comme ça. Et si tu veux me voir, viens donc là-bas, à Longbesso. Je dis à Longbesso. Voilà, c'est tout. Alors, il y a April Base. C'est comment, Majaki? J'ai cru que tu n'allais pas venir. Mon cœur battait déjà. Du coup, wow. J'adore.
Quelle déclaration. C'est pas vrai. Et alors, les internautes aujourd'hui, ça va, c'est bien, c'est bien, non, d'avoir des messages comme oui, ça. Oui, c'est très bien, c'est très gentil, ça me va vraiment, ça me touche franchement. Tu vas tout droit au fond. Tout droit au fond de mon cœur. Au fond, au fond. Alors, il y a Frog Dollar, c'est comment ? On est là. Ma Jackie, tu joues tellement bien ton rôle que je me pose des questions. Quelle question, mon fils ? Bref, j'espère que tu as une copine, hein, parce que ton rôle, là, ça craint. Tu joues trop bien, il paraît. Oui. Mais tu as une copine, alors ? Oui, j'ai une copine. Oh ! Et comment elle... Comment elle voit ce que tu fais ? Comment elle apprécie ? Comment elle... À la base, j'ai demandé, tu vas supporter. Ah, et elle me dit quoi ? Tu vas supporter les critiques, tu vas supporter ce que les gens vont dire. Avec nous. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça, donc. Il n'y a rien derrière la tête. Ben, ah, donc elle non, elle accepte. C'est elle qui c'est partage, la première à partager mes alors, vidéos. Ben, il y a elle, maman et la famille, en fait. Ça veut dire que tu as l'identité en portant. Tu assumes derrière le couplinage, là. Non, hey, j'assume. Si c'est que tu n'assumes pas, les gens auront les idées derrière la tête. C'est ça. Bon, en gros, c'est pas comme si je dis ça pour effacer certaines choses dans la tête. Oui, oui. Je dis la vérité. Voilà. Et tu lui fais un petit beau message à ta. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Thérèse. Oh, pas Thérèse, en face de toi, là. J'espère que tu regardes, hein. J'espère que tu regardes l'émission, cela. Parce que si je colle la théorie à la maison là-bas, tu n'es pas en train de regarder. Vraiment, on aurait un problème. Yeah! Oh, on lui fait des bisous, moi, Thérèse. C'est pas facile, hein, Thérèse. Ce n'est que le Thérèse. Thérèse. Ah, Thérèse. Ok. Il n'y a pas beaucoup. Tout le monde a dû la reconnaître parce qu'il n'y a pas beaucoup de Thérèse. Voilà. La Thérèse, la chaud, hein. Voilà. Alors, on a aussi posté ta petite vidéo qui donnait rendez-vous ici, parce qu'il a fait une petite vidéo qui donnait rendez-vous ici. Ah, il y a Astrid Com qui va rater sa massa. Ouais, ma Jackie, après toi, caille encore. C'est encore toi, pardon, elle a voulu dire. Et puis Audrey Sommet, j'espère que tu seras avec ton kaba et ton foulard. Justement, j'étais sûr, les gens devaient attendre. Le kaba et le foulard de la gloire glorieuse. Oui, c'est ça. Ginette Tagué. Depuis là, je prie seulement que Enéo soit gentil. C'est Edwin là. C'est Edwin là. Hein. On s'excuse, je lis juste des messages parce que je suis moi déjà installée. Oh là là. Alors, ouh, mes cotes, c'est Grazilian Namou. Il y a trop de messages. Hein. Ma Jackie, d'où t'es venue l'inspiration ? Tu es vraiment unique et. Elle n'a pas continué sa phrase. C'est sûr que le diable ne fait que. Et puis, à Natacha Fotso, j'ai déposé mon bébé de 2 semaines à l'orphelinat. Rien ni personne ne doit me déranger. Ah, donc toujours pour regarder ma Jackie. Ouais, ok. Pendant pas porter ton enfant, oui, faut pas que quelque chose arrive dans ton enfant, tout comme moi. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui fait de l'humour comme toi, je pense. Ah. Pour dire qu'elle est vraiment prête et assise. Oui. Voilà. Elle est assise, rien ne peut la bloquer. Rien. Bon, on va s'arrêter là, hein, ma Jackie, avec les messages, parce que là. C'était une belle aventure. Très belle aventure. Voilà, on a aimé. Merci. On a aimé. Et on espère aime, que on aime tu vas continuer à. Fais. Oui. Parce que le verbe faire ne s'arrête pas. Voilà. Mmh. En tout cas, nous, on te souhaite bien des choses. Hein, oui, merci beaucoup, c'est très on gentil. On espère vraiment que tu vas te renouveler à chaque fois parce oui. que oui, après, oui, ça, là, c'est la pression. Hein, ça, oui, c'est le oui, défi. Oui. Beaucoup de pression. En fait. Beaucoup de pression. Beaucoup. Essayer d'améliorer déjà ce que tu fais, c'est bien. Oui. Mais aller plus loin et surtout revenir ici avec le baccalauréat. Oui, je vous promets. Bon. Ah oui, c'est voilà. ça. C'est ça. Parce que oui, attention. Tu nous promets, ça va professionnaliser, non, pour la suite en réalisation. Oui, oui, oui. Justement, j'ai rencontré un producteur. Oui. Donc, les choses arrivent. Tu sais, on ne dit pas Donc, du coup, je vous rassure que bientôt, le truc sera professionnel. Professionnel. Merci, Madame. On va se retrouver lundi 17h, top fil, sortez, couvert, là, et là. Ce qui se passe dans ma vie, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. J'ai fait des choses qui n'ont jamais marché, je fais ici, je fais là-bas, ça n'a jamais marché. Pourtant le prophète vient de m'apprêter, que ça devait donner.